confessionnal de Thuiz. Dis-moi, Johan, maintenant que nous sommes seuls dans cette rédaction, ou presque seuls, avec une douzaine de personnes, quel aurait été ton désir le plus inavouable sur ce 51 que tu n'as pas osé me demander ? Je pense que c'est quelque chose que je te demanderais peut-être sur le 52. Imaginons, Zorglub part avec les deux Suédoises sur la Lune. Et là, au lieu de créer une armée de Zorgons, il crée une armée de clones de Suédoises, toutes les deux. Une armée gigantesque. Et imaginons qu'est-ce qu'il légèrement, pourrait... Légèrement vêtue ou... Vêtue de manière très, très saillante, en tout cas. Pour enfants. Pour faire des enfants, tu veux dire. Est-ce que tu crois que c'est possible? Écoute, en tout cas, le 52, il sera question effectivement d'une certaine forme d'animalité d'un des personnages principaux. Je n'en dirai pas plus, mais donc après tout, pourquoi pas évoquer aussi la nature animale de Zorglub. La nature animale de Zorglub et ses désirs les plus secrets. C'est noté, Johan. Merci, Fabien. Le confessionnal de Thuiz.